En politique, René Demezo-Obion devient le premier secrétaire de Démocratie Nouvelle. Il a été porté à ce poste à l'issue du congrès extraordinaire du parti, le premier du genre, tenu à Libreville, des assises placées sous le thème Démocratie Nouvelle pour le renforcement de la souveraineté nationale. Le point avec Léa Bifane et Michel John Boudéa. C'est sous une nouvelle forme que Démocratie Nouvelle va plus que jamais défendre les valeurs républicaines. Au terme de son premier congrès extraordinaire, DN connaît des mutations. Plus de président à la tête du parti, l'instance dirigeante de cette formation politique devient le premier secrétaire. La candidature que nous avons reçue au poste de premier secrétaire de Démocratie Nouvelle, c'est celle de M. En actualisant sa ligne politique, Démocratie Nouvelle s'affirme dans l'opposition républicaine et démocratique. Le congrès extraordinaire a analysé les évolutions de la situation politique nationale et fait le bilan des tâches accomplies au cours de ces 18 mois d'existence, ainsi que la recomposition du paysage politique national. Parti progressiste, DN dévoile ses ambitions. Nous avons l'ambition d'implanter Démocratie Nouvelle partout, sur toute l'étendue du territoire. Mobilisons les compatriotes. Allons conquérir les voix de toutes ces Gabonaises et de tous ces Gabonais. Et nous aurons un parti puissant. Nous disons que Démocratie Nouvelle va aux élections avec l'ambition de ramener le plus grand nombre de sièges possible. Tout seul en tant que parti. Et là où il n'aura pas assez de force, tout seul, il doit s'unir avec tous les autres partis de l'opposition démocratique républicaine. Avec des nouvelles adhésions, Démocratie Nouvelle a désormais plus d'une vingtaine de secrétaires permanents, des membres du bureau politique, des commissions pour les prochaines élections législatives.